compatriotes Mayo, Frère Maxime, dans 10 départements pays. Frère Maxime, dans la diaspora. Jeudi, le Premier ministre vient de parler avec nous. Moi, je viens de dire, moment qu'on bit pour te coller arriver. Moi, je viens de dire, moment pour nous tous chita, yon gade l'autre dans j'ai arrivé. Moi, je viens de dire, moment arrivé pour nous chita développer pays. Non. Je dis, c'est des voix PAM pour nous expliquer, non. Comment le gouvernement m'a dirigé à travail pour aider tout Haïtien à vivre plus bien. Je dis à nous constater, nous manquer tête ensemble, nous manquer unité pour nous résoudre le problème du peuple haïtien. Problème grand goût, problème santé, problème logement, problème sécurité, problème éducation. Tout ça, mettez plus de division dans le temps. Nous. Division ça, yo, pas mené nous aucun côté. Yo pas mené nous bien. Division ça, yo, pas dans intérêt petit pays. Ya. Dans le jour qui s'est passé, yo, plusieurs manifestations faites. Plusieurs Haïtiens perdu la vie, yo, plusieurs nos compatriotes nous ont blessés. N'a présenté condoléances by famille victimes, yo. Victimes policiers, victimes dans la saline, victimes dans la population, victimes de tous côtés. La vie de chaque citoyen est importante pour nous, importante pour le pays. C'est pour ça que nous pouvons mener une enquête sur tout cas ça. Nous avons traversé un carrefour difficile dans la nation. Un carrefour qui a un pile de danger. Un carrefour, nous comprenons qui est passé depuis 100 ans. Chers compatriotes, permettez que je vous rappelle quelques chiffres significatifs. Nous sommes aujourd'hui 11 millions d'habitants sur 27 500 km². Notre PIB par habitant est de 765 dollars américains, alors qu'il est de 5109 dollars à la Jamaïque et de 7052 dollars en République dominicaine. Nous savons aussi que près de 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Notre économie stagne. De 1998 à 2018, la croissance moyenne de notre économie a été de 1,3% par an, alors que la croissance moyenne annuelle de la population a été de 1,8%. Plus d'habitants, moins de ressources, diminution de la production nationale. D'où, c'est absolument pas normal. Nous ne pouvons plus continuer dans cette direction, dans cette difficulté. Frère Maxime, compatriote moi, nous sommes d'accord avec la situation, ça pas normal et pas normal du tout. Nous pas qu'à continuer là-dedans du tout. Nous tous avons une responsabilité pour nous faire ça changer. Nous tous, élite politique, élite intellectuelle, élite économique, c'est responsabilité nous tous pour nous faire peuple haïtien sortir dans la misère ça. C'est responsabilité nous tous pour nous mettre tête ensemble pour couper grand goût à chômage, pour nous suspendre goumen yon ak l'autre, pour nous camper yon beaucoup l'autre. C'est responsabilité nous tous. Pour nous parler yon ak lot, pour nous accepter yon lot, même là nous fassons d'accord yon ak lot. Voix à plever en pile côté pour faire revendication. Quelle revendication qui est juste? Quelle revendication qui est importante pour vivre pays? Revendication pour faire bon règlement sur l'argent qui est dépensé. Revendication pour combattre la corruption. Revendication pour joindre l'argent pétro-caribéen. C'est n'a pas les yon ak lot n'a ka bâti yon pays. Bâti pays, c'est bâti institution. C'est bâti institution qui existait yon jaret
pour fonctionner plus bien. C'est faire institution yo bail peuple à service. C'est faire institution yo aider pays à marcher plus bien. Nous pas sur bon route là. Nous pas sur bon chemin. Ma prend exemple dans la douane avec dans DGI. Plus passer 64% budget à chita sous DGI. Plus passer 35% dans budget national chita sous recette la douane. C'est l'agence ça yo qui pour permettre bâti clinique, bâti l'école, bâti poste police, aider secteur agricole là, employer bon qualité professeur. C'est qualité l'école là qui bail bon qualité citoyen. Nous pas investi dans l'école. Donc nous pas investi dans citoyen nous yo. Nous quoi à disposition à prendre yo toute l'agence ça yo gain pour augmenter. Peuple haïtien, est-ce que nous réalisons sécurité population Chita sous 16 000 policiers seulement pour 11 millions d'habitants sous 27 500 km2? Ça veut dire un seul policier pour chaque 700 personnes. Est-ce que nous réalisons? Il faut que vous protégez nous, il faut que vous fassiez circulation, il faut que vous combattez les bandits, il faut que vous baissiez sécurité. Pendant, il a respecté la loi de tout le monde. Moi, profiter pour moi saluer bien bas le travail professionnel la police a fait, même si moyen n'est pas en pile. Faut que moi dis tout, c'est responsabilité nous toutes pour le travail dans les plus bonnes conditions. C'est responsabilité nous. C'est responsabilité nous toutes pour gagner plus de policiers. C'est responsabilité nous. Responsabilité nous toutes, dans tout niveau, pour que nous ayons sécurité. Et c'est responsabilité nous pour payer un pi bon. Est-ce que nous réalisons, pour chaque 1000 personnes qui fait, que 59 là-dedans yo kap mouri avant yo gagner un an? En pile dans le problème ça yo, t'es qu'à ranger. Si l'argent de l'État t'es bien utilisé pendant 30 années qui sont passées yo, c'est peut-être ça. Faut que la justice fait travail pour règlement fait sous l'argent qui mal dépensé yo. C'est pour ça, n'a joué un COP Petro-Caribéa, peuple haïtien, jeunesse pays, Petro-Challenger yo, l'État haïtien, a travaillé avec conseiller juridique li yo, pour jouer plus bon moyen pour porter plainte contre moun qui détourne l'argent Petro-Caribéa. Mesdames, à cette étape de mon intervention, saluez la constance des efforts que vous avez consentis pour le peuple haïtien. Je dois saluer également la qualité du dialogue que j'ai eu avec vous depuis la ratification de ma politique générale par le Parlement. Le moment est donc venu pour que, dans le respect de nos engagements mutuels, nous nous mettions au travail pour améliorer le bien-être du peuple haïtien. Comme j'ai eu à le dire, le gouvernement que je dirige ne ménagera aucun effort pour respecter les clauses des accords conclus. Mes ministres et moi sommes déterminés à accélérer les décaissements sur tous les projets et tous les programmes qui existent et à finaliser tous les dossiers pour les programmes à venir. Haïti est une île, certes, mais c'est également un maillon de la grande chaîne des échanges internationaux. Une réelle ouverture au monde, jointe à une augmentation continue de la production nationale, nous permettra de rééquilibrer nos comptes et d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Nous avons pris l'engagement ferme de réformer les finances publiques et de manière plus générale le fonctionnement
de l'État haïtien. Nous réitérons donc notre engagement à agir dans la transparence pour une bonne gouvernance. Compatriotes, moi, yo, li temps pour nous chita ensemble, pour nous décider qui j'en. Dans le respect règles démocratiques, yo, n'a travail pour stabilité et développement pays nous. Chita ak tout force dans pays ya, tout organisation politique yo, tout organisation économique yo, pour nous recréer confiance, pour nous mettre d'accord sur action n'a pran ensemble pour peuple haïtien ka vivre pi bien. Nous besoin stabilité. Si pas stabilité, pas bien investissement, pas bien tourisme, pas bien développement économique, pas bien la paix. Dialogue n'a pas l'air. Dialogue, moi, comment c'est fait avec plusieurs organisations depuis mon premier ministre là. C'est seule route qui est bon pour nous toutes. Sans dialogue ça, sans chita attendre ça, nous pas qu'avancer sur chemin démocratie, sur chemin développement. Tout. Dialogue m'a parlé, ces affaires nous toutes liées. Nous fait un pile route ensemble, nous pas l'ennemi. Nous sommes petit même pays, nous parlons même langue, nous fait pour nous parler ensemble. Expérience casée brisée, violence, agraissement, pas mener nous en quel côté. Faut nous fayons l'autre choix. Choix parler yon ak l'autre. Haïtien ak haïtien, quitte li en dans pays ya, quitte li l'autre bord de l'eau. Dialogue dans palé ya, c'est dialogue pour gouvernance inclusive là. Mais, dialogue doit faire dans respect yon pour l'autre. Dans respect bien privé ak bien public. C'est peut-être ça. Gouvernement a ferme sous respect la loi. Citoyen paisible, fait pour qu'a occuper affaire sans qu'a sauter. Femme et garçon dans toute ville, dans tout pays, fait pour qu'a occuper business yo, sans yo pas perdre aucun dans affaire ni bac yo, ni magasin yo, ni machine yo. C'est peut-être ça. La police recevra instruction pour lui contrôler la ria, pour lui combattre bandit. N'a demandé concours toutes médias. Dans respect liberté la parole, n'a demandé tout citoyen ou retirer violence dans gens y a parlé dans radio et dans télévision. Nous pas tolérer appel faire violence. Nous pas tolérer menace contre citoyen. N'a appliqué la loi comme ça doit. Boussole nous c'est la loi. Boussole nous c'est constitution pays là. Boussole nous c'est règle jouet démocratique là. Pas jamais gien babouquette mais pas jamais gien l'école lagué. Pour menacer citoyens et toute l'autre institution. Dans l'instruction, chef l'État, c'est bon moins à tout gouvernement, dans le discours 21 novembre dernier, il insistait en pile sur l'action sociale pour le gouvernement entreprendre. Nous recevons un message là. Nous travaillons pour sa fête sans perdre de temps. Peut-être ça. Je demande au ministre des Travaux publics. Ministre Affaires sociales, ministre Santé publique, ministre Jeunesse et Sport, ministre Environnement, dans tête collée ensemble pour déployer, pour bailler population en service. Dans le jour qu'a venu là, à partir du lundi 26 novembre même, dans tous côtés, nous avons démarré le travail pour attaquer le problème fatra, le problème saleté. Nous avons lancé un programme pour nettoyer le canal. Programme pour faire route, programme pour porter la rue, programme pour déblayer route, programme pour faire ville belle, pour faire tout quartier propre. Dans toute zone capitale, dans ville province, équipe TPTC et toute l'autre entité de l'État pour faire propreté. Travail propreté avec infrastructure, c'est job cap créé, c'est activité économique. Cap point j'arrête. C'est pays à cap point mabri. Ministère Affaires sociales déjà recommencé l'ouvrir restaurant communautaire dans quartier défavorisé. Fayes déjà a bail manger en pile côté. Tout quartier qui poko gen restaurant yo, pressé n'a privé sou yo. Parce que
faut tout le monde qui arrive à manger dans cette situation, tout le monde qui est vulnérable. Le ministère de la Santé publique recevra l'ordre pour organiser bon genre programme suivi santé pour tout le monde. Clinique mobile et médicaments pour tout le monde et grand monde dans le quartier populaire. C'est peut-être ça. Nous avons besoin de stabilité dans tout le quartier. Le ministère commerce et le ministère finance ont instruction pour aider à créer une entreprise pour jeunes garçons et jeunes femmes avec crédit pour ces entreprises. 1000 entreprises par an qui sortent dans l'université pour commencer à faire stage dans le bureau d'État, dans le DGI, dans la douane, dans la collectivité locale, dans l'organisme autonome et tout côté l'État gagne pour l'employer. Compatriotes, frères Maxime, moi t'avais nous tous comprendre. Discours ça, pas un discours en plus. C'est annoncer, moi vin annoncer nous décision pour nous agir tout bon. La troublaille nous saute passé yo, te ralenti gouvernement pour le bail population en service. Moi mandé tout le monde, rete tête frais. Moi invité toute force politique yo dans dialogue qui permettre nous résoudre tout bon vrai problème pays. Moi mandé tout ministère yo, toute administration publique là continue by service. La police a by sécurité pour ti moun à l'école, pour moun al travail. Mou mande secteur privé a pour nous travailler main en main pour nous créer richesse, pour nous créer prospérité. An nou by Haïti nou an on chance. Haïti c'est pays nous li. Faut nous prenne en main. Jodi a c'est moment privé pour nous ensemble prendre pays en main. Inclusion pour tout le monde. Inclusion, frère Massemio. On nous garde une à l'autre manger